Il n'y a pas tout le monde. Alors, dans la catégorie je vis, j'éduque, j'améliore mes relations de famille, voilà. Qu'est-ce que, selon Il n'y a pas, un enfant hypersensible? Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis société et enfant hypersensible? Parce que, à mon sens, en fait, voilà, si on regarde un peu les boîtes pharmaceutiques, pour y avoir également travaillé, on s'aperçoit que aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements pharmaceutiques qui s'adressent aux enfants dits hypersensibles. Alors moi, je me suis posé la question d'un risque autour de tout ça. C'est qu'est-ce qui nous permet de dire subjectivement qu'un enfant est hypersensible? Voilà, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on va catégoriser notre enfant dans les catégories d'être hypersensible? Au fond, moi, j'ai l'impression de remarquer quelque chose de commun, c'est qu'à chaque fois que je vais voir la naissance d'un nouveau-né, à chaque fois que je vais voir une copine qui a eu son petit bout, et ben, au travers les différentes années, ben, alors je ne sais pas si c'est subjectif ou pas, mais j'ai l'impression que les enfants, déjà rien qu'au niveau locomoteur, c'est-à-dire rien qu'au niveau de la motricité, en fait, les enfants, j'ai l'impression qu'ils se tiennent beaucoup plus tôt, que les enfants, en fait, s'éveillent beaucoup plus rapidement, au bout des quelques mois, etc., etc. Donc en fait, l'hypersensibilité, au fond, est-ce que c'est pas nous qui la générons? Est-ce que c'est pas nous qui, au sein de cette société, en fait, qui est très innovante, stimulons en fait constamment nos enfants? Et à force de les stimuler, mais forcément, ça en fait peut-être des enfants, on va dire, peut-être un peu plus hyperactifs, hypersensibles, etc., etc. Donc, il y a peut-être une relation avec la société, je ne sais pas. Voilà, moi, je n'ai pas d'expérience en la matière. Moi, je sais que je suis peut-être un peu qualifiée d'hyperactif, c'est sûr, mais je pense que c'est plus une nature que potentiellement une pathologie à traiter. Mon hyperactivité, je la soigne comment? Ben, je la soigne au travers mes activités, l'activité sportive, mes relations sociales, etc., etc. Donc moi, je trouve l'équilibre à mon hyperactivité de cette manière. Voilà. Après, l'hyperactivité, bon, c'est un sujet qui est très très délicat. Si vous avez déjà eu à gérer des enfants dits hyperactifs avec des niveaux de difficultés qui sont complètement variables, parce que je pense que dans la notion d'hyperactivité, ben, il y a des notions de degré aussi. Moi, quand je vous parle d'hyperactivité liée à la société, je pense à des degrés, on va dire, qui nous font relativiser. C'est des degrés qui, pour moi, sont normales. Voilà, on vit dans un monde qui évolue. Voilà, notre macro-environnement autour de tout ça matériel évolue. Et donc, forcément, votre enfant ne va pas intégrer l'information de la même manière. C'est-à-dire que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, si vous posez, à mon sens, votre bébé, en fait, très tôt devant la télé, ben, il est capable d'intégrer les images, il est capable d'intégrer beaucoup de choses, et les premières phases de développement de sa vie sont très importantes pour la mise en place de ses connexions nerveuses. Voilà. Je crois que c'est jusqu'à 3-4 ans que l'enfant est capable, en fait, de mettre en place des connexions nerveuses, de même multiplier son capital nerveux, etc., etc. Donc, en fait, la vie et le contexte dans lequel nous vivons, le matériel qui nous entoure, en fait, tout ça, ça stimule, en fait, je dirais, la physiologie nerveuse du développement de vos enfants, tout simplement. Donc ça, c'est fait passivement et inconsciemment. Et il y a quelque chose qui m'étonne encore au jour d'aujourd'hui, c'est que si, par exemple, vous mettez votre enfant avec peut-être une tablette, si c'est un petit bout qu'il n'est pas très très grand, hein, voire même un an pour en avoir fait le test, j'adore tester, vous lui mettez et vous lui présentez une tablette, et en fait, vous observez. Et effectivement, on a l'impression que l'enfant a déjà intégré le réflexe du doigt qui va consister en fait à tout simplement basculer par exemple les photos, etc. Donc en fait on a l'impression que le digital native, il maîtrise déjà en fait l'outil informatique. Pourtant il ne l'a jamais connu, mais on a l'impression que génétiquement il a intégré quelque chose. Alors est-ce qu'on peut associer ça à de l'hyperactivité ou pas? Je sais pas, mais je pense que juste en fait nos petites cellules nerveuses aujourd'hui, il faut accepter qu'elles soient beaucoup plus sollicitées tout simplement, et ça fait de nous des individus peut-être un petit peu plus complexes, un peu plus hyperactifs, un peu plus parfois même hypersensibles, hein, potentiellement, parce qu'on a, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. On a l'hyperactivité et l'hypersensibilité également, mais je pense que parfois il peut même y avoir un lien. Parce que quand vous êtes hyperactif à de très 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 hauts degrés, vous avez l'impression de ressentir une exclusion sociale, et cette impression d'exclusion sociale fait que petit à petit, en plus, vous devenez un hypersensible. En plus, si vous avez une génétique qui vous prédispose à être un hypersensible, vous allez peut-être mal le vivre. Donc voilà, moi je dirais que à tout problème, il faut relativiser, et en fait, c'est notre perception du problème
qui en fait sa dangerosité ou son risque ou pas. Et en fait, les problèmes, on les voit là où on veut les voir. Et par exemple, si certaines personnes qualifient l'hypersensibilité d'un enfant ou l'hyperactivité d'un enfant comme potentiellement une problématique ou un problème, à d'autres de ces personnes, au contraire, ils en voient peut-être plus une opportunité. Si votre enfant est effectivement hyperactif, il va falloir peut-être plus le solliciter ou l'occuper. Ou alors, à contrario, au contraire, vous allez lui apprendre à s'occuper par lui-même. Donc voilà, c'est, je dirais que la notion d'hyperactivité, hypersensibilité sont des choses vraiment très, très, très subjectives, en fait, au fond. Et c'est nous qui les qualifions en tant que telles. C'est notre interprétation des choses. Et à interpréter les choses, parfois, on peut être en décalage. Parfois on a des interprétations qui sont complètement, à mon sens, erronées. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa.